Comment interpréter les signes que mon âme m'envoie? Dans un premier temps, c'est le silence. Plus tu ralentis ton rythme, plus tu t'autorises à être dans ce silence-là, plus ton esprit pensant va être calme et ouvert, et ainsi il pourra recevoir beaucoup plus facilement tes perceptions et donc les messages de ton âme. Il faut être très patient et ça se pratique, l'intuition, de se connecter à son âme et de recevoir les messages. La première étape, c'est la pause, c'est le silence intérieur. Ensuite, c'est vraiment de s'amuser à ouvrir et développer tes perceptions extrasensorielles, de sentir sur quel canal tu es. Est-ce que tu es plus auditif? Est-ce que tu es plus dans les sensations? Ou est-ce que tu as des images qui t'arrivent? Et comme ça, tu accueilles déjà la première perception. Tu remercies ton âme des réponses qu'elle t'a envoyées via les perceptions, même si tu ne comprends pas tout. Okay, des fois, ça va être, tiens, quel est ton message, mon âme? Et puis, tu vois une cascade, tu ressens de la chaleur dans ton cœur et puis tu entends amour, par exemple. Ok, donc tu accueilles tous ces messages, même si c'est un puzzle. Et dans un deuxième temps, tu dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que la cascade représente quelque chose? Est-ce que cette chaleur dans mon cœur plus le mot amour représente quelque chose? Ok, peut-être que c'est aime-toi plus souvent, accorde-toi plus de temps pour aller en nature. Donc c'est vraiment en deux temps. Un, calme et silence intérieur. S'amuser à poser une question à ton âme, à recevoir les messages. Et ensuite, c'est l'interprétation. Donc va vraiment étape par étape et amuse-toi à être dans le silence, à ouvrir tes perceptions pour ensuite décoder les messages de ton âme. L'avantage qu'on a, c'est qu'ensuite on a les synchronicités. Et les synchronicités, elles t'aident à vraiment mieux comprendre quand tu ne comprends pas directement le message de ton âme. Et là, ce qui est important, c'est est-ce que ton corps vibre à cette synchronicité. Donc amuse-toi vraiment à développer cette connexion avec ton âme pour avancer sur ton chemin de vie et puis profiter de la vie sur Terre en étant incarné. Si tu veux en savoir plus ou t'aimes ces vidéos, abonne-toi sur ma chaîne YouTube.